super. Hein. Elle est en pleine forme en plus. Et, elle fait un super meeting et puis je crois qu'elle a jamais été aussi meilleure que ça. Sincèrement, tu t'attendais à ce qu'elle fasse toutes ces bonnes performances? Ouah non, à gagner quand on voit les groupes 1, on n'est jamais sûr de les gagner. On savait que la jument était bien quand même au travail et puis dans le prix Reynolds, ça gagnait bien quand même. Donc j'ai dit tiens, l'objectif cet hiver, ce sera le Cornulier. Après, pour être dans les trois premiers, hein. Voilà. Et puis, on s'est pas trompé, quoi. La jument, elle vole monter et puis après, elle a fait des belles courses aussi. Donc Bourgogne, elle est 5e, en finissant très fort. Donc là, on va aller sur le prix de Paris. La jument est revenue comme il y a 2 ans quand elle était seconde du prix d'Amérique, à mon avis. Le coup de sang l'année dernière, l'hiver passé, ça lui... Ah ouais, ouais parce qu'elle avait gagné le prix de Bretagne assez facilement. Et ensuite, le coup de sang, bah, jument, elle avait plus que 1000 mètres dans le ventre. Donc elle n'était plus du tout, donc on a bien fait de l'arrêter. On l'a arrêté donc 2 mois de champ, on l'a repris. Dans le prix Kerjac, elle était 3e de... Je ne sais plus quel cheval, mais elle courait bien déjà. Donc là, on s'était dit, ça y est, jument, elle revient bien. Et après, on a couru toute l'année. Elle est partie souvent au galop, un peu nerveuse. Et elle avait fait quand même 2-3 belles courses entre deux. Et puis, dans le prix Jean-Luc Lagardère, elle était 3e en finissant très fort. Et donc là, avec des bons parcours, on a gagné. Voilà. Est-ce que tu te considères comme un homme chanceux d'avoir autant de bons chevaux, même si c'est toi qui les façonne, évidemment, mais ouais, t'as eu Rapide de Belle, ouais, voilà. En plus, j'ai une super année de R. J'ai une année de R rapide qui a 1,8 million, bon, qui aurait pu avoir plus s'il avait payé ses problèmes. Elle qui a 2,2 millions. Rêve de Bélève, elle a plus d'1 million d'euros. J'ai eu des chevaux comme Rock de Montfort qui ont pris 400 000 euros, Rêve Ridard 250, Roquette du Closé Paris 250 000, concouru de bonheur. Et donc on a eu des super chevaux dans les airs. Donc on était assez vénères quand même.